Bonjour, je m'appelle Sylvie Langlois, je suis la copropriétaire de Bienfait Noisetier. Aujourd'hui, j'aimerais vous expliquer en 5 points pourquoi nous considérons avoir le collier de bébé le plus sécuritaire sur le marché. Point numéro 1, la longueur. Chez Bienfait Noisetier, pour les bébés, nous avons deux longueurs, le 10 pouces et demi et le 11 pouces. Le 10 pouces et demi, c'est la mesure idéale pour les bébés de 4 à 11 mois, car les petits bébés ils ont un très petit cou, il faut l'ajuster avec le cou et non l'âge. Le 11 pouces, lui, il va faire plutôt pour les bébés qui naissent à 8, 9 ou 10 livres. Eux autres vont partir plus avec un 11 pouces. Mais en général, c'est le 10 pouces et demi qui est la bonne mesure. Pour les gens qui sont sur Internet, si vous voulez savoir c'est quoi la bonne mesure, mesurez avec une ficelle. Le collier ne doit jamais dépasser le dessous de menton. Comme ça, ben, c'est la mesure idéale et vous êtes certain que ça va être la bonne longueur. Merci. Point numéro 2, l'attache. Nous, à Bienfait Noisetier, on utilise les attaches à nos doubles et crochets. Tout simplement parce que ça ne dévisse pas. C'est les meilleures attaches qu'on a trouvées à date sur le marché. Car avec le petit collier qui a glissé dans le cou et l'attache qui ne dévisse pas, ben c'est l'idéal. Point numéro 3, la fraîcheur du noisetier. Nous, à Bienfait Noisetier, nous utilisons du bois très pâle aux embouts. Pourquoi? Parce que c'est un signe de fraîcheur. Le bois pâle va neutraliser l'acidité au maximum pour vous donner une qualité de produit supérieure. Point numéro 4. Tous nos bois de noisetier recouvrent entièrement les billes décoratives. Ça, c'est bien important car vous allez avoir plus d'effets comme ça et ça va durer plus longtemps. Point numéro 5. L'espace. Chacun de nos colliers a un espace comme ça, assez considérable, car le noisetier, dès que vous le mettez au contact de la peau, neutralise l'acidité, il gonfle un petit peu et il noircit ici aux embouts. Alors, le petit espace permet au collier de rester souple au cou et de ne pas se briser. C'est la meilleure façon de le faire.